Et il est 19h et on y retourne comme à chaque jour. Aujourd'hui, pas de nouveautés. Aujourd'hui, pas de start-up de Naveloba. Aujourd'hui, c'est une review shmup. Et du shmup assez ancien, puisqu'il date de 1988. Ce titre s'appelle Sky Soldier et je ne le connais absolument pas. D'où sort-il? D'où vient-il ce merveilleux robot? Non, c'est un shmup en souffle, je ne sais pas. Aurait-il la prétention de faire de la 3D? Alors quand on voit le flyer, on se dit, 1988, tu me fais ça, ça m'excite. Qu'en est-il de la réalité? Eh bien tout de suite, on va foncer dedans, hein, plutôt que d'en parler. Alors, on me dit que vous n'avez pas l'affichage, ce qui est étrange puisqu'on l'avait tout à l'heure. Peut-être qu'il ne veut plus, tout simplement. Ah, un fail de démarrage, de toute façon, ça faisait longtemps que c'est pas arrivé. Donc, limite, là, ça se célèbre, quoi. Est-ce que je meuble? Non, parce qu'il y en a pour 2 secondes, tellement j'ai l'habitude. Les raccourcis, maintenant, sont pile sous le curseur de la souris. Et le plus long, en fait, c'est d'aller dans le menu des jeux pour trouver le bon truc. Yes! Enfin! Sky Soldier, tout de suite. Sky Soldier, peut-être. Il y a une façon de finir la phrase pour qu'on laisse l'espoir aux gens. Aux gens. Donc nous voilà devant un Xème shooter vertical qui probablement retombe pas mal sur ses collègues. Mais oh, regardez-moi ça, c'est quand même travaillé. Il y a du boulot, il y a du boulot. Alors il y a de la boulette aussi, ça c'est rigolo. Par contre, il n'y a pas de 3D. Oh, c'est de chez SNK. Je ne connaissais vraiment pas ce Sky Soldier. Je crois qu'il n'est jamais sorti sur un système MVS. Alors apparemment, il y a plusieurs vaisseaux et chaque vaisseau a son super tir. Son super tir qui est, on le voyait sur la démo. Ah ben voilà, c'est toute la 3D qu'on va avoir dans le jeu, je crois. Et donc, oui, regardez ce qui est encadré en bas de l'écran à gauche. Ça doit être les super tirs en nombre limité, contrairement au tir continu, ce qui est à peu près normal, sinon on aurait un gros problème. Vous n'en pouvez plus? Bah oui, moi je suis curieux de voir ce gameplay du coup parce que c'est un petit peu plus original que la moyenne des rencontres. Good luck, j'en aurais besoin, merci. Donc j'ai le choix au démarrage entre ça, ça, ça et ça. Ça me va bien quoi. En plus c'est des homings, on va pas cracher dessus. Hein. Ah non, non, pas la 3D, j'ai l'impression que l'écran va venir sur moi. Au secours! Pendant ce temps, en 1945, en Grande-Bretagne. Salut! Je viens chercher des champignons. Donc du coup, on est un time pilote quelque part. C'est incroyable. Time pilote, je vous recommande d'aller regarder le stream de la petite review d'ailleurs qui le concerne. Puisque. Oh, de connard, Roland. Puisque. Ah, mes homings sont vraiment des homings. Hein. C'est, il n'y a pas de trompage. Par contre, vu qu'ils sont comptés, je vais éviter de faire le couillon avec. S, alors ça correspond à saucisse, Satan, sacrifice, non, explosion, c'était. Et oui, il fallait arriver à dire explosion. J'avais mal lu, moi. Ne bouge pas, petit pitou, je viens à ton aide. Ouh, double. Alors, je ne sais pas comment. J'allais dire un truc intelligent. Je ne sais pas comment est sélectionné. Le lock de la cible, ça doit être la plus proche, mais ça doit être tellement arbitraire que du coup ça devient limite random quoi. Je sens que ce jeu va être bizarre. Oui, t'as raison. Zon, 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 zon. Alors, la bonne chose c'est que je n'ai pas mis le son à fond. Ah, mes missiles ne sont plus autoguidés. Je suis dans la merde. Bon, de face, il les prend bien, je pense. Mais c'est bizarre, les missiles n'ont pas été auto-guidés. Je peux changer d'un niveau à l'autre si je sais que je vais avoir telle ou telle embûche. Moi, je pense que je vais avoir ces problèmes-là. Donc, il me faut des missiles qui partent en rangée.
Non, pas la 3D, on a dit. Alors, si le tableau s'avère jouable, bah, malgré les repompes et tout petit frottis, il risque d'être sélectionné ce jeu, dites-moi. Parce que, mine de rien, c'est jouable, même si c'est ni très beau, ni ultra révolutionnaire, ni. Oula, lui, je vais me méfier. Apparemment, il y a des kamikazes dans le coin. Il y a du décor, c'est honnête, c'est smooth. Smooth. Traduction, d'où? Piu, 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 piu. J'ai peut-être un autre bouton, ça va. Non, d'autres boutons, tu n'as pas. Putain, ils aiment bien te serrer dans les coins. C'est à chaque fois ce que je redoute, moi. Bon, you shmup, le coin est fatal en général. Enfin, jamais aller dans le coin. Quand tu vas dans le coin, c'est la punition qui arrive dans les 5 secondes. Bah oui, on avait des gros algos, quoi. Oh, les trucs étaient à 4 ou 8 MHz. Pas trop leur en demander non plus. Reste là, toi. Viens là, toi. Ça aurait mérité des explications sur comment rattraper les bonus, un peu, parce que pour l'instant, j'ai pas compris du tout. Oh putain, un boss, c'est la fête. Et la hitbox, non mais laisse tomber. La hitbox, ils l'ont trouvé chez qui? Chez Darty, c'est pas possible. Le truc, il était à 5 km du vaisseau, mais j'ai quand même pété. Boum! Ouais, mais tu vois, cette boulette, elle avait un champ magnétique invisible que seules les boulettes voient entre elles. D'accord. Ça veut dire que tu m'as fait une hitbox de 32 sur 32, toi. T'es pas un poil gourmand? Je vais te pouiller! Tu vas pleurer des larmes de sang! Et glisser sur une peau de banane pour poser ton dernier souffle dans l'océan. Alors, poser une peau de banane sur l'océan, ça va pas être super simple. Puis c'est un avion, lui aussi. Qu'est-ce qu'il manque à casser là-dessus? Oh là là, faut vraiment casser tous les trucs, sinon. T'es pas un peu en train de me foncer sur la gueule, toi? Oui, non, il était passé au second plan, et ça se voyait bien puisqu'il n'y avait aucune différence de palette. Pourquoi suis-je méchant? Parce que j'aime ça, vous le savez bien. J'ai pas essayé celui-là, tiens. La F-Ball, F pour... Tout le monde l'a deviné. Et Ball, ben, parce que... Il y a faux. 1915, ouh là 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 là. À force de voyager dans le temps, je pense que je vais avoir des séquelles cérébrales. C'est fort probable. Va quand même falloir que je revienne en 2018, les gars, parce que j'ai des streams à faire. Hein. je voudrais pas me plaindre, mais quand même. Alors, mine de rien, je me plains, je râle, je critique. Ça, mais qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? On joue. J'ai mis combien? 3 crédits déjà. Vous savez quoi? Ce jeu va être sélectionné. Puisque, mine de rien, il n'est pas connu. C'est pas sa faute. Mais il est jouable. Même s'il est très, 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 très classique. Et puis voilà. Ça, c'est check. Ils me font quoi là, les acrobates? Alors, j'ai pas beaucoup de retour de la musique, moi. Mais je pense que ça doit être génial. Parce que le peu que j'entends, on dirait les Bee Gees version la cantine de Star Wars. J'ai bon? Faut que je fasse des petits trous partout. Bon, mais je vais m'en servir de mes super tirs un peu là. Parce que... Comment dirait Eric Cartman déjà? J'ai oublié. Oui. Il avait rentré à sa maison, mais avant c'était quoi? Ah oui, c'est ça. Alors, on va se finir ce boss quand même, les gars. On est pas venu juste pour, hein. Je surveille un peu mes bonus. Je crois que j'ai plus rien en plus. Veux-tu bien crever, espèce de vibromasseur volant? Piu, 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 piu. Sure. Eh ben, il nous reste plus que celui-là à essayer. Donc j'ai un buster. J'espère qu'il tonne. On n'est pas dimanche. Et non, à un jour près, je pouvais faire un jeu de mollet. C'est dommage. Celui-là n'est donc pas autorisé. Il sera coupé au montage. Cette 3D tonitruante. Ah, je retourne en 1915. Purwack. J'ai pas été sage. Eh, on me... Bah oui. Je sens que je rate la musique un grand moment. Bon,
putain, c'est la merde ça. C'est vraiment pas sympa ces lâchers de grappes de cerises. Comment ça, c'est des bombes? Oui, bon. Ça va être bien noir comme ça, tu les bouffes. Quelle méchanceté gratuite. C'est vraiment. Oh, c'est bien ça. On part. Oui, bah, ne le fais pas trop, il en reste plus. Voilà. Il en reste plus, t'es mort. Le barrage, non, ne casse pas le barrage. Ne tirez pas, les gars. Soyez sympa. Faites pas ce qu'on vous dit. Biche. On va en rester là, hein? Restons amis. Tu es déjà sélectionné, profites-en. C'est un privilège que n'ont pas tous les jeux qui passent dans The Big Game of Ski, en particulier ceux qui datent d'avant 1990, hélas, très souvent. Oh oui, je vais mettre mon initial pour immortaliser ce moment et narguer les collègues en leur faisant voir que performance et panache sont ma signature. Ah, petit posage de pad. Eh bien, voilà pour ce Sky Soldier qui nous aura un petit peu surpris, qui est donc sélectionné. Ça reste jouable. Je pense qu'il doit y avoir du challenge hein, si les gens veulent finir le jeu. Parce que déjà, deuxième, troisième le tableau, ça commence à partir un petit peu en sucette. Puis dès qu'on repart un peu à Welp, c'est pas évident de se mettre dans le bain. Essayez-le éventuellement. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau numéro. Et je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Il y a oui, ma langue s'est endormie. J'ai beaucoup trop parlé pour ce stream.